Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cosmétique très simple, donc une petite crème naturelle à base de produits très simples qu'on peut trouver sur Lifou. En fait c'est pas vraiment une crème, c'est un baume, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est gras, ce n'est pas une émulsion avec un mélange d'eau et d'huile comme les crèmes de soins qu'on va trouver facilement en magasin, qui sont plus fragiles, qui se conservent moins longtemps. Et qui ont par contre la vertu de l'hydrater et de nourrir la peau. Là, on va faire une crème uniquement avec la partie lipidique, c'est-à-dire un mélange d'huile végétale. Donc là, par exemple, j'ai choisi de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle est excellente pour la peau et qu'elle a une odeur assez neutre. Et puis, on va prendre de la cire d'abeille, hein, qui est également un produit gras en fait. Et on va faire fondre de la cire dans l'huile en mélangeant une huile essentielle. Donc là j'ai choisi de l'huile de niaouli parce que bon, c'est une huile qui est locale et qui est très bonne pour la peau. Et donc l'huile essentielle, c'est un petit peu toutes les vertus de la plante, des feuilles de niaouli récupérées avec la vapeur d'eau. Et donc c'est un petit peu un concentré de ce que le niaouli peut faire et qui est excellent pour la peau, pour les problèmes de mycose, pour l'acné, pour beaucoup de petits problèmes de peau. Donc on va faire ce mélange avec de l'huile de pépins de raisin, de la cire d'abeille et de l'huile essentielle, et ça va se faire ce qu'on appelle un baume gras qui a la vertu non pas d'hydrater mais de nourrir la peau et qui convient donc très bien aux peaux sèches, aux peaux qu'on appelle dévitalisées ou les peaux matures, donc pour les mamans, les grand-mères par exemple. Donc que ce soit pour le visage ou pour les parties du corps qui sont plus sèches. Voilà, alors comme matériel, qu'est-ce qu'on a besoin? Pas grand-chose. On a besoin de râper la cire. Donc ça c'est la cire d'abeille, hein, qu'on peut récupérer chez un apiculteur. Donc il y en a pas mal sur les fous qui ont de la cire. Et cette cire, je vais la râper en petits copeaux pour qu'elle puisse fondre facilement dans l'huile. Alors, un petit détail, le plan de travail doit être propre, il faut des mains lavées. Parce que c'est pour une histoire d'hygiène, pour ne pas mettre de microbes dans la crème dès le début. Donc voilà, donc cette râpe qui ne me sert qu'à la cire, vous voyez, hein, et, une fois qu'elle est sur dessus, hein, on peut faire grand chose d'autre avec. Donc je vais râper comme ça, la cire, voilà, pour donc, faire tomber les petits copeaux. D'accord? Voilà. Et donc on va faire un mélange avec 1/6 de cire et 5/6 d'huile. Donc pour ça, j'ai une balance. Hein. Un petit pot de verre, vous pouvez prendre des pots de yaourt. Pour qu'ils soient bien propres, vous les désinfectez en les faisant bouillir dans de l'eau et puis en les laissant sécher comme ça, en bas, pour que l'eau s'évapore et qu'il n'y a pas de microbes qui se déposent dedans. Et une fois qu'il est désinfecté, voilà, je vais le mettre sur la balance. Je le mets en marche. Ça revient à zéro, je ne sais pas si vous pouvez lire un petit peu ce qu'il y a dessus. Et pour faire une crème de 30 g, je vais donc mettre 5 g de cire et 25 g d'huile. Donc pour ça, voilà, je surveille sur la balance. 2. 5 g. Hop, hop, hop. Donc on met bien tout dedans, parce que ça ne sert à rien ce qui est à côté, bien sûr. Voilà, 5 g de cire et je rajoute 25 g d'huile, ce qui va faire au total 30 g. Voilà, 31 g, un petit peu plus, c'est pas très grave. Voilà, et ensuite, ce petit mélange, donc de cire et d'huile, hein, comme vous voyez, je vais mettre ça au bain-marie. Donc là j'ai mis sur le fourneau à feu doux une casserole avec de l'eau et je vais mettre donc ce petit mélange au bain-marie. Donc on va attendre 5-10 minutes que ça fonde, tout en remuant de temps en temps avec une petite pique à brochette qui bien sûr n'a pas servi à faire des brochettes auparavant. Quelque chose de propre. Donc de temps en temps, hop, on mélange pour que
ben, que ça chauffe bien partout à l'intérieur de manière homogène et que la cire fonde avec l'huile. Voilà, donc on attend de parler un petit peu pendant ce temps-là. Alors, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, de quoi chauffer. La cire fond à 65 degrés environ. Et donc, on va amener la température du petit mélange avec l'eau qui est chaude autour, qui est un petit peu plus chaude, avec un feu très doux dessous. Et une fois que ça sort sa fondue, on va laisser refroidir un petit peu. Et avant que ça soit de nouveau figé, on va mélanger l'huile. On ne met pas l'huile tout de suite parce que le fait qu'elle va chauffer, elle va s'évaporer en partie, d'une part, et puis d'autre part, elle va cuire, donc certaines de ces molécules vont se transformer et on va perdre un petit peu de son intérêt sur la peau. Donc voilà, on va laisser de temps en temps, hop, on revient. On remue. Voilà, alors bien sûr, faites ça, si vous faites ça chez vous, faites ça avec l'un de vos parents à côté pour bon, les histoires de sécurité et tout ça. Hein, même si vous êtes des grands garçons ou des grandes filles, on ne joue pas avec la sécurité. Voilà. Et donc ce type de crème se conserve très très bien, contrairement aux émulsions. Donc les émulsions, je dis au début que c'était un mélange d'huile et d'eau. Par exemple, c'est le même principe que pour la mayonnaise. Bon, vous voyez bien que si vous mettez de l'huile et de l'eau ensemble et que vous secouez, ça ne va pas se mélanger. Et c'est grâce au jaune d'œuf, en fait, qu'on appelle un émulsifiant, que l'eau et l'huile vont pouvoir se mélanger et faire cette espèce de pâte qu'on appelle la mayonnaise. Et qui va maintenir, qui va garder cette forme-là. Et ben, les crèmes Nivea et tout ça, toutes les crèmes qu'on va trouver dans le commerce, sont faites sur le même principe. Une partie grasse, une partie aqueuse, et puis un émulsifiant qui permet de faire le mélange. Bon voilà, là ça commence à fondre, j'ai déjà coupé le gaz. Je ne sais pas si vous voyez trop. Alors, tac, on va se rapprocher un petit peu. Voilà, donc là vous voyez que les petits copeaux de cire ont entièrement fondu. Donc là il est temps, tac, je remets ça comme ça, ok, hop, voilà, il est temps d'enlever ça du feu. Alors je vais prendre quand même un petit chiffon parce que c'est chaud. Voilà, on va pas se brûler non plus. Voilà, hop, et je pose ça là. Okay. Alors, je vérifie ce que vous voyez. On va baisser ça un petit peu comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, on va zoomer un petit peu. Ok. Ok, c'est ça, et on va se mettre ça de manière à ce que, voilà, ok. Et donc là, le mélange, donc la cire a bien fondu dans l'huile, et je continue à mélanger. Donc là, on voit dans le fond, il y a une ou deux petites saletés qui étaient dans la cire, donc c'est pas bien méchant. Et ceci dit, ça sera plus agréable pour que la crème soit bien propre. Si j'enlève la petite saleté, voilà. Je vais essayer comme ça. Et donc là, je continue à remuer pour que ça commence à. Pour que ça refroidisse. Et qu'on va arriver au début du stade où ça refige. Parce que bien sûr, ce mélange-là va se solidifier à température ambiante. Et donc, on va mettre de l'huile essentielle juste avant. Hop. Voilà, juste avant que ça file. Donc oui, je vous parlais de l'émulsion. Les crèmes classiques que vous trouvez dans le commerce sont des émulsions, des mélanges
de la partie aqueuse avec une partie lipide et qui sont maintenus ensemble grâce à un produit comme le jaune d'œuf, un émulsifiant qui permet de faire cet aspect crémeux. Et donc les émulsions vont avoir l'avantage d'hydrater et de nourrir la peau. Par contre, c'est l'inconvénient d'être beaucoup plus fragile, et c'est pour ça que dans le commerce, ils mettent beaucoup de produits pour que ça se conserve longtemps. Donc ils vont mettre des conservateurs, des antimicrobiens, des choses comme ça, de manière à ce que votre crème Nivea puisse durer un an sans aucun souci. Le problème, c'est que tous ces conservateurs, tous ces produits rajoutés, bah, ça finit par être toxique pour nous. Donc on veut se soigner, en prendre soin de nous en mettant des crèmes, et finalement, ça finit par nous abîmer. C'est pour ça que là, j'ai choisi de vous montrer comment faire un baume qui n'est pas une émulsion, qui est uniquement la partie grasse, donc qui ne va pas hydrater mais qui va nourrir, mais qui a l'avantage d'être moins fragile aux pollutions bactériennes, pollué par les microbes moins facilement, et donc de se conserver assez longtemps. Donc voilà, puis c'est quand même simple à faire, c'est juste faire fondre ces deux ingrédients-là. Donc voilà, donc ça peut être un certain temps pour refroidir, mais c'est très bien comme ça. C'est important de ne pas trop chauffer non plus, parce qu'on pourrait mettre un gros morceau de cire qui fait bien 5 grammes, et puis ensuite mettre de l'huile, mais ça va mettre beaucoup plus de temps à fondre. Et dans ce cas-là, bon ben, tout produit qu'on chauffe finit par s'abîmer, perdre de ses vertus. Alors que là, on met juste la température qu'il faut pour fondre, et ensuite, bon, on laisse déjà refroidir, donc ni l'huile ni la cire n'ont eu le temps de s'abîmer. Voilà, donc... un petit peu de patience. Voilà. Voilà ça. Ça sent bon. Hein? Santé. Ça sent bon, hein? Voilà. Donc ça, voilà. Donc là, on est vendredi après-midi. J'ai rendez-vous avec vous dans une heure. Et donc, tout à l'heure, bah, vous pourrez voir cette petite crème, vous pourrez l'essayer sur votre propre visage ou sur votre bras. Donc des fois, les gens sont sensibles ou allergiques à certaines huiles essentielles. C'est pour ça que quand on teste un produit comme ça, pour savoir s'il n'y a pas de problème, ce qu'on fait, c'est qu'on va tester un petit peu de crème dans le pli du coude, un endroit où la peau est fine et où... si jamais vous êtes allergique, ça va vite réagir, ça va devenir rouge, vous aurez des petits boutons, ça va chauffer, ça va picoter, et dans ce cas-là, vous savez que c'est pas la peine de vous en mettre ailleurs. Voilà, si après quelques heures que vous avez essayé cette crème, tout va bien, et bien vous pouvez vous en enduire le corps. Bon, ça c'est le genre de crème qui va faire du bien pour aider à cicatriser, si vous avez des petits boutons ou ce genre de choses. Et puis ça peut être bien aussi, si vous êtes un peu enrhumé, d'en mettre un petit peu sous le nez, un petit peu comme le Vix. Ça va permettre au niaouli, aux vapeurs du niaouli, de diffuser dans l'arbre bronchique et puis d'aider un petit peu à déboucher le nez, à désinfecter un petit peu les voies respiratoires. Alors bien sûr, c'est pas un médicament, hein, c'est quelque chose de très simple avec des produits qu'on trouve facilement par ici. Mais bon, bah, si ça peut aider... voilà, alors je ne sais pas si vous voyez. Sur les bords, là, ça commence à se solidifier un petit peu, là. Vous voyez? Il y a un petit bourrelet, là. Donc le mélange, il commence à prendre. Ça commence à figer doucement. Là, voilà, là, on voit bien, là. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Voilà. On continue encore à refroidir. On va attendre un petit peu le dernier moment. Hein, comme ça, on va être sûr de ne pas abîmer l'huile essentielle. Hein, sinon, si on met de l'huile et que la moitié s'est évaporée, bon, c'est un petit peu gâché le produit.
Voilà, donc vous voyez que la petite bordure, là, ça commence à être de plus en plus important, là. Donc ça, c'est en bonne voie de refroidissement. Voilà, donc on continue encore un petit peu. Voilà, donc alors. Il y a un petit bourrelet qui apparaît aussi au niveau du bâtonnet, là, vous voyez. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est un aspect un petit peu crémeux. Hein? Voilà, ça commence à figer de manière plus importante. Vous voyez, hein, ça devient opaque. Donc là, c'est suffisamment refroidi pour qu'on aille mettre 10 gouttes d'huile essentielle. Donc là, on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et donc là, on mélange bien. Il faut bien mélanger. Ça va, je ne vous cache pas, si je vous cache tout, on va faire ça comme ça. Bon, je vais aller même gratter un petit peu la cire qui, le mélange qui est un petit peu fondu sur le bord pour que ça refonde un petit peu l'intérieur et que l'huile essentielle soit mélangée dans tout le produit. Voilà, donc, le petit bâtonnet me sert à aller gratter sur les bords, mélanger au milieu. Voilà. Comme ça, toute la crème sera parfumée au niaouli. Voilà, donc là ça me plaît. Donc je mets l'excès de crème de baume sur le bord comme ça. Et ensuite, je referme jusqu'à ce que ce soit bien refroidi comme ça. L'huile essentielle ne va pas continuer à s'évaporer. Voilà, donc là vous voyez c'est encore liquide dans l'immédiat. Pardon. Hop, 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 là vous voyez que c'est encore liquide dans l'immédiat. Mais que c'est déjà plus opaque. Et d'ici 10 minutes, ça va être complètement figé. Ok ? Donc voilà, donc pour vous montrer ce que ça peut donner, moi je fais la même chose, hop là, par là, voilà, avec des petits pots en plastique à double paroi, vous voyez, sur lequel je colle une étiquette, je marque dessus, et je mets une date limite d'utilisation optimale de 6 mois. Hein, au bout de 6 mois, peut-être que l'huile va commencer à s'oxyder, à rancir, et peut-être que l'huile essentielle se sera évaporée. Bon, pour l'instant, moi, j'ai des retours, des très bons retours au bout d'un an, où ça n'a pas bougé, ça dure longtemps. La différence entre ça et ça, c'est que là, en plus, j'ai rajouté un petit peu de miel, j'ai rajouté la vitamine E que je commande sur Internet, pour qu'il y ait des propriétés antioxydantes, pour éviter que ça rancisse, et qu'en même temps qui va aider aussi à protéger la peau. Et puis un extrait de lichen comme antibactérien naturel, ça s'appelle la barbe de Jupiter, qui permet d'être sûr qu'il n'y aura pas de pollution bactérienne dans ce type de truc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, avec le même type de mélange, ce sont des sticks à lèvres. D'accord ? Donc, ces petits flacons, là, ça se trouve... ça se commande sur internet aussi, hein, avec une petite vis là, vous voyez, c'est exactement le même mélange, sauf qu'au lieu de mettre 5 g de cire pour 25 g d'huile, il y a 8 g de cire pour 22 g d'huile, donc c'est un petit peu plus ferme, hein. Voilà, et puis sinon, ben, si vous l'essayez, vous pouvez, je sais pas, pourquoi pas
récupérer, est-ce que j'en ai un là, récupérer un tube de colle Cléopâtre vide, hein, que vous nettoyez très bien. Bien sûr, vous ne pourrez pas le faire bouillir, mais peut-être que vous pourrez le désinfecter avec donc de l'alcool à 70. Et puis, vous faites votre petit mélange dans un pot en verre. Et puis, juste avant que ça refroidisse, hop, vous faites couler le mélange dans le stick. Et comme ça, ça va figer dans le petit bâtonnet. Et vous pourrez vous protéger les lèvres avec. Voilà. Un petit stick à lèvres mini comme tout. Voilà. Et ben, hop là, on va reculer un petit peu. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite, puisqu'on va se retrouver à Natalo dans votre classe. Voilà, à Oleti.